Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel. Nous allons découvrir ensemble l'application Vigipool afin de maximiser votre expérience. Commençons par appairer votre boîtier électrique Chill de VP à votre téléphone via Bluetooth. Une fois l'appairage effectué, nous arrivons sur le menu principal de l'application. En haut à gauche, vous pouvez consulter la température extérieure et à droite, la température de l'eau de votre piscine. En cliquant sur ces indicateurs, vous accéderez à l'historique des températures de votre piscine, disponible uniquement lorsqu'il est connecté au Wi-Fi. Tout en haut à droite, vous avez la possibilité de configurer votre connexion Wi-Fi manuellement via WPS ou Lynx. Passons maintenant à la gestion des appareils. Trois cadres sont présents, chacun ayant une fonction spécifique. À droite, la filtration, en haut à gauche, l'éclairage, et en bas à gauche, vous trouverez le module dédié aux auxiliaires qui, dans ce cas, a été appliqué à la gestion d'un appareil de traitement et que nous aborderons un peu plus tard. En appuyant sur le bouton central, vous pouvez activer ou désactiver la filtration de votre piscine. Si vous appuyez sur la petite flèche dans le cadre, vous accéderez à des fonctionnalités plus avancées. Vous voilà dans le menu filtration, composé de deux sections, la première filtration, vous permet encore une fois d'activer ou de désactiver la filtration. La deuxième, programmation, vous offre la possibilité de planifier jusqu'à deux programmes distincts, par exemple, un pour la semaine et un autre pour le week-end. Dans chaque programme, vous pouvez définir jusqu'à trois créneaux horaires, choisir les jours d'activation et activer le mode thermorégulé. Ce mode optimise le temps de filtration en fonction de la température de l'eau. La gestion de l'éclairage fonctionne de manière similaire à celle de la filtration sur l'application. En appuyant sur le bouton central du cadre, vous accéderez à un raccourci qui vous permet d'allumer l'éclairage dans différentes couleurs, de choisir parmi plusieurs séquences lumineuses, de programmer une minuterie pour déterminer quand l'éclairage doit s'éteindre, et bien sûr, d'éteindre l'éclairage directement. Dans le menu dédié à l'éclairage, appuyer sur le bouton principal vous offre le même raccourci que sur le menu principal, avec en plus la possibilité de régler l'intensité lumineuse à l'aide d'une barre de contrôle, mais peut aussi régler l'intensité en fonction des autres produits. Cette fonction est disponible en fonction des équipements installés dans votre piscine. L'onglet Programmation vous permet de choisir la couleur à l'avance, de programmer jusqu'à 3 plages horaires par jour en définissant précisément l'heure de début et de fin du programme, de sélectionner des jours spécifiques ou d'opter pour un fonctionnement quotidien, et également de régler l'intensité de l'éclairage. En bas à droite, vous trouverez le module de traitement. Cette section peut être personnalisée selon les appareils auxiliaires que vous possédez, comme ici, un auxiliaire de traitement. Comme pour les deux cadres précédents, vous pouvez accéder à un raccourci en appuyant sur le bouton central. Le module de traitement vous permet notamment de définir la température minimale de démarrage de votre piscine. Dans le menu dédié à cet appareil, la programmation fonctionne de la même manière que pour les autres modules. Le seul changement important dans la programmation est accessible via la roue en haut à droite. Ce panneau d'options vous permet de gérer certaines fonctions de votre auxiliaire. Si vous sélectionnez « Asservi à la filtration », l'auxiliaire ne fonctionnera que lorsque la filtration est en marche. Avec « Forcer la filtration », l'auxiliaire activera automatiquement la filtration lorsqu'il est en fonction. L'option « Activer consigne de température min » empêche l'auxiliaire de fonctionner si la piscine est à sa température minimale. Enfin, l'option « Activer consigne ORP » désactive l'auxiliaire si le taux de chlore mesuré est trop élevé. Pour sélectionner un auxiliaire, allez dans le menu, cliquez sur les trois barres en haut à gauche, puis sur « Mes appareils ». Ensuite, cliquez sur la roue de l'appareil concerné. Trois options apparaîtront. Mode hors gel, éclairage et aux configuration. En sélectionnant cette dernière, vous pourrez choisir l'auxiliaire correspondant, que ce soit un chauffage, un appareil de traitement, un surpresseur ou un autre appareil. Une fois l'auxiliaire sélectionné, vous pourrez le gérer directement depuis le menu de l'application, tout comme pour l'éclairage et la filtration. Merci d'avoir suivi ce tutoriel sur l'utilisation de l'application Vigipool. Vous êtes désormais prêt à exploiter pleinement le potentiel de vos équipements de piscine et en profiter au maximum. À bientôt chez CCEI.